Bah. Bah. Bah, dans ta mère la pute. Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, mes frères et sœurs, je fais cette petite vidéo rapide. Voilà, mes frères et sœurs, je fais cette petite vidéo, mes frères et sœurs, pour parler rapidement de. Voilà, de Bassem et tout ça et tout, de son incarcération et tout ça et tout. Bon, déjà, je tiens à rétablir la vérité tout de suite. En prison, il y a les gens morts, c'est-à-dire quand je dis les gens morts, moi je parle de moi, moi je suis pas une rockstar, je suis pas connu. Il y a beaucoup de gens qui sont pas connus, mes frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire? Quand ils vont en prison, ils font des dingueries, ils sont mélangés à toute la merde, ils peuvent se retrouver en cellule avec, je sais pas moi, un violeur, un pointeur, ils vont mélanger les mecs de la rue comme ça entre eux, et parfois ils vont les mélanger avec des pointeurs ou des violeurs de petites filles ou ces choses-là, ou des, je sais pas moi, ils vont mélanger même des tueurs avec... Par exemple, un mec qui, je sais pas moi, qui a roulé sans permis, des trucs bêtes quoi. Un mec qui a roulé sans permis et qui est multirécidiviste, qui s'est PPT, qui a continué à rouler, il va prendre un an parfois parce que c'est la 10e fois qu'il se fait arrêter ou parce qu'il a roulé en, je sais pas moi, en buvant de l'alcool, en fumant et c'est pas la première fois. Donc ils vont mélanger lui avec un violeur, mes frères et sœurs, ou avec un pointeur, ou avec un tueur, ou avec des dingueries. Donc sachez-le, hein, vrai kiki, faut pas le mettre dans cette case-là. Rof, quand il va en prison, c'est une rosta, vous voyez ce que je veux dire? Bouba, quand il va en prison, c'est une rosta. Donc, ils ne sont pas mélangés à ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire, malheureusement. Quand ils vont en prison, c'est le luxe pour eux. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, sachez-le, hein, votre break kiki, il est en sécurité. Il sera avec les gens connus. Et vous inquiétez pas, hein, il va vous parler par Instagram. Il va parler avec vous normal. Nous, on a des potos à nous qui sont au HEPS. Ils nous envoient des textos carrément. Ils arrivent à avoir des téléphones. Ils parlent avec nous sur, sur Facebook ou sur, je sais pas moi, ceux qui ont Instagram, sur Instagram, sur Snapchat, normal. Normal, mes frères et sœurs. Donc, sachez-le, votre break kiki, il va en vacances de luxe. Hein, et quand il va sortir, il aura le sourire parce que voilà, ça aura fait beaucoup de bruit, ça aura fait un engouement autour de lui et ça aura fait un peu de pub. Hein, vous verrez, sa chaîne YouTube va monter. Normal, tout sera normal et il parlera avec vous, il communiquera avec vous. Après, bon, je tiens à dire à tous ceux qui font des vidéos qui vont lui dire ouais, nique ta mère, fils de pute, bien fait pour ta gueule. Même si, mes frères et sœurs, il va en prison. Et qu'il est mélangé à la racaille, à tous les mecs de la street et tout ça et tout, faut jamais souhaiter le malheur aux gens. Si tu apprenais avec un mec, va le voir, tu lui niques sa mère. Comme j'ai toujours dit. C'est vrai, j'ai fait dans le passé des vidéos où je l'insultais et tout ça et tout, mais maintenant, j'insulte plus. Je dénonce juste la justice et l'injustice. Donc voilà. Je veux pas lui sauter force parce que voilà, c'est un facho qui allait se faire enculer et tout ça et tout. Mais sachez-le, hein, que le mec là, il sera très très bien entouré, très très bien encadré, il n'y aura pas d'isolement ou pas d'isolement, il n'y aura pas d'isolement, il n'y aura rien, mes frères et sœurs. Il ne sera pas mélangé à la merde. Donc arrêtez de ceux qui pensent dans leur tête qu'il va être mélangé comme un mec anonyme. Il est loin d'être anonyme. Il n'est pas Rof, il n'est pas Booba, il n'est pas une grande star, mais il est connu. Point à la ligne, donc il sera avec les gens connus. Donc c'était une petite vidéo pour établir la vérité. Et voilà. Ne vous inquiétez pas pour lui, mes frères et sœurs. Voilà, il va sortir en 2-3 mois. De toute façon, lui, il traite les Renois, il fait ce qu'il veut. Et vous inquiétez pas. Moi, je pense qu'il a été mis en place par le système pour, voilà, pour faire des divisions entre Renois et Rebeu. Mais moi, je pense pas que le mec-là va durer en prison. Vous verrez, il va vite sortir. Donc voilà. Force à toute la team Guadazérois. Force à toute la team. À tous ceux qui suivent voilà, les youtubeurs sérieux, les youtubeurs normaux, les youtubeurs qui font rigoler, mes frères et sœurs. Sur ce, c'était Guadazérois. Bah.